Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de télé, on va parler VoxiWeb. Une mise à jour est tombée et vous allez voir que c'est. Démarrage de VoxiDV en cours, veuillez patienter. Et vous allez voir que cette mise à jour a vraiment beaucoup de fonctionnalités supplémentaires. On va donc voir dans cette vidéo l'intégralité de ce que peut faire VoxiTV, comment il peut aider les personnes déficientes visuelles, les seniors. De VoxiTV. Initialisation. Téléchargement 11%. Téléchargement 26%. Voilà, donc ça télécharge la mise à jour. Téléchargement 38%. Et on va voir comment utiliser toutes les fonctionnalités de VoxiTV. Téléchargement 59%. Téléchargement 96%. Installation. Votre VoxiTV vient d'être mise à jour. La liste des nouveautés est disponible dans Aide, Contact, Nouveautés. Un mes favoris. On va donc aller voir ensemble toutes ces nouveautés dans un premier temps. Alors, merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. On va parler des nouveautés, on va parler de cette mise à jour que vous venez d'entendre qui vient tout juste de se faire. Qu'est-ce que peut vous apporter VoxiTV? Pour qui? Pour les personnes déficientes visuelles, pour les seniors, pour les personnes en fait ayant des difficultés de lecture, eh bien VoxiTV peut être une très bonne solution. 12 aides contact. Allez, on rentre dans l'aide. 5 nouveautés actualité. Nouveauté actualité. On vient tout juste de faire ensemble la mise à jour et on va donc vérifier ce que nous apporte cette mise à jour dans les nouveautés VoxiTV. Nouveauté actualité. Un nouveauté mise à jour numéro 10-22-1-2019. Nouveauté mise à jour numéro 10. Un choix des voix. Nous vous proposons maintenant trois nouvelles voix pour la synthèse vocale, deux femmes plus un homme. Pour découvrir ces voix, rendez-vous dans le menu Mon compte, paramètres puis synthèse vocale. 2 minuteurs. Plus d'excuses pour rater votre œuf à la coque, nous vous proposons maintenant un minuteur. Deux possibilités pour gérer votre minuteur. Depuis le menu, rendez-vous dans le menu Vie pratique, utilitaire. Choisissez le temps en minutes et secondes pour votre minuteur, puis validez le formulaire. Votre minuteur se lance à ce moment-là. Pour le mettre en pause, appuyez sur la touche Lecture pause. Pour l'arrêter, appuyez sur la touche Option, puis choisissez Arrêter le minuteur. Pour connaître le temps restant, appuyez sur la touche OK, ne fonctionne que quand le temps restant est affiché à l'écran. Avec la commande vocale, pour lancer un nouveau minuteur, dites minuteur plus temps désiré. Ex, minuteur 30 secondes, minuteur 5 minutes, minuteur 45 minutes 30 secondes, minuteur 120 minutes. Pour le mettre en pause, dites minuteur pause. Pour l'arrêter, dites minuteur stop. Vous pouvez continuer à utiliser VoxiTV pendant que le minuteur tourne, vous n'êtes pas obligé de garder le minuteur à l'écran. Une sonnerie vous alerte à la fin du temps choisi. Trois accès mémoire interne, lecture sans connexion Internet. Il est maintenant possible d'accéder à la rubrique Mémoire interne, lecteur USB, sans être connecté à Internet. Votre VoxiTV se transforme alors en box multimédia vous permettant de consulter vos photos, vidéos, musique, livres et documents, PDF et Word, où que vous soyez. Quatre lectures mot par mot. Sur les écrans de texte, vous pouvez maintenant faire une lecture mot par mot. Pour lancer la lecture mot par mot, appuyez sur la touche Lecture pause puis utilisez les flèches avance et retour rapide pour vous déplacer dans le texte. Pour reprendre la lecture continue, appuyez de nouveau sur la touche Lecture pause. 5 divers. Déplacement dans les champs de formulaire, à l'aide des flèches avance et retour rapide, vous pouvez vous déplacer dans les champs de texte. Un appui vous déplace d'une lettre, deux appuis vous déplacent de mot en mot. Traduction des noms des dossiers dans Mémoire interne. Ceux-ci ont été francisés, documents, téléchargements, vidéos, musique et photos. Voilà donc pour ces mises à jour. On va maintenant aller vérifier au niveau des voix ce que l'on peut faire et ce que l'on peut mettre en place tout de suite. 11 mon compte paramètres. 1 mon compte. 2 mon abonnement. 3 paramètres.
4 niveaux de batterie de la télécommande. 5 connexions sans fil. 6 déconnexions. 7 redémarrer. 8 éteindre. 3 paramètres. 1 contraste. 2 taille texte. 3 espacement texte. 4 vitesses de lecture. 5 synthèse vocale. C'est ici que ça devient intéressant. On va voir si on peut bénéficier des voix de Google. Bonjour, je m'appelle Lisa et je serai ravie d'être la nouvelle voix de Voxy TV. Bonjour, je m'appelle Emma, voix actuelle, Emma. Bonjour, je m'appelle Jade et je serai ravie d'être la nouvelle voix de Voxy TV. Bonjour, je m'appelle Pierre et je serai ravie d'être la nouvelle voix de Voxy TV. Allez, on va choisir Pierre. La voix a été changée avec succès, vous allez être redirigé vers l'accueil. Un mes favoris, Internet. Align by Net renforce son pôle conseil avec le rachat d'objectifs libres. De Objectif Fibre publie un référentiel des métiers de la fibre. Dans le cadre de l'engagement de développement de l'emploi et des compétences EDEC, et après plus d'un an réflexion commune, Objectif Fibre et ses partenaires, ministère du Travail, agence du numérique, branche et opérateurs de compétences publient la carte... Alors je vous fais un tour un petit peu complet de ce que l'on peut faire avec Voxy TV. Deux podcasts. On peut aller voir les podcasts. Un podcast des radios. Deux technologies. Trois enseignements culture. Quatre langues. Cinq divers. Six Belgique. Sept Suisse. Deux technologies. Technologie. Un agence tout geek. Deux Captain Web. Trois CECIA. Quatre Edencast. Cinq Futura Science. Six Le Rendez-vous Tech. C'est on refait le Mac. 8 Oxitude. 5 TV, vidéo. 1 programme TV. 2 télé en direct. 3 replay télé. 4 YouTube. 5 vidéoconférences disponibles fin mars. Dans les nouveautés vidéoconférences, vous allez pouvoir faire des appels en branchant une caméra, une webcam en USB sur votre Voxy TV et pouvoir faire des appels avec vos amis. Un banque. Alors, sur votre télé, vous allez pouvoir gérer les comptes de votre banque. 2 bureautiques. La bureautique. 3 au quotidien. 4 transports. 5 utilitaires. 6 outils. 7 santé. Vie pratique. 5 utilitaires. 1 calculatrice. 2 minuteurs. 3 Voxy Zoom. 3 au quotidien. 1 météo. 2 horoscopes. 3 annuaires téléphoniques. 4 annuaires inversés. 5 numéros utiles. 6 bourses. 8 loisirs culture. 1 dictionnaire, savoir. 2 recettes de cuisine. 3 sorties. 4 jeux. On va aller voir dans les jeux. 1 quiz QCM. 2 mégamots. 3 Voxinator clone d'Akinator. 4 Voxymind Mastermind. 5 pendus. 6 résultats français des jeux. 10 stockage interne, lecteur USB. Voilà donc pour cette petite mise à jour de Voxy TV. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à Vision High Tech. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.